nèg qui dit au leader en dedans département noyo de concert ensemble avec CPA pour que yo même CPTA pour que yo même yo pas et c'est mépriser basio et dans un contexte que yo pas connu yo pas connu écrit yo pas gain et diplôme universitaire jodia en dedans quartier populaire en dedans basio gain toute catégorie de monde. C'est pour l'une des raisons nous baillons tout gars pour opposition que nous-mêmes basio nous préparons très prochainement il capitulé parce que opposition ça qui était là d'autre fois. L'État va faire exclusion pour côté base populaire. Mais monsieur le juge, même couloir va dire nous qui parti politique qui a vendu portion dans le département. Ah bon, nous dit que mon c'est PTO, c'est Yoka Bon. Qui est-ce que nous avons dit? Nous-mêmes, nous avons mené enquête et très prochainement, nous avons relayé la presse pour nous dire la presse, mais qui équipe nous qui a vendu portion. Oui, nous connaissons au Cap, en général, il y a un parti politique qui est populaire et qui est une des forces propositionnelles au Cap. Est-ce que nous avons parlé de Petite Dessaline ou bien qui n'a pas de CPTA? Pas de personne qui nomme non au parti politique. Nous seulement, nous-mêmes en tant qu'avant-gardistes, nous avons des yeux fixés sur le bras d'État pour nous essayer des décisions qui capent sans basio. Et c'est ça le conseil de leader qui est en bataille de l'Ouvra. C'est pour empêcher que net Port-au-Prince pas sorti avec moun Port-au-Prince pour venir mettre dans le bras de papio. Et moun yo pas sorti avec moun Gonaïve pour venir mettre dans le bras de papio. C'est moun dans le département noir pour qui inclut, pour qui occupe une série de postes qui gagnent dans le département. Nous-mêmes, nous sommes avant-gardistes qui sont niveau département, qui tant de cris population, qui tant de plaignants, qui tant de saldés comme revendication, comme problème. Après un peu chita parlé, nous décidons ensemble pour porter, commencer à porter les revendications. J'ai entendu notre camarade se dire, évitez que le département continue à envahir avec l'autre monde qui sortit. Dans l'autre département, on vient travailler dans le niveau région parce que nous chargeons quatre charges de compétences. Permettre que pour nous capables d'éviter comme si de dirigeants continuent à lancer dans la même dynamique. Ça. Et c'est peut-être ça même. Nous ne pouvons pas rester focus sur à savoir la question de l'authenticité politique. Nous surtout focus sur ça nous gagnons dans nous-mêmes nous gagnons agenda nous dans RFPN. Et c'est pour ça que même, pendant notre commandant sur ta parler là. Claire, toute information qui est dans les coulisses sur nos épreuves avec un pile pincelle. Mon Jean Maël, il s'appelle Padi dans la presse, il a commencé tel monde. Comme avant-gardiste, il décidait, avec cette organisation que nous avons dans le département de fédération, n'avait en haut, n'avait en bas, pour même, t'as dit, même pratique, pas continuer toujours dans le niveau du département noir. C'est le premier poste. Nous estimons qu'il y a 20 dans le département. Bon, regardez, nous-mêmes, on a une poste qui gagne dans le département, nous gagnons tout le monde dans l'organisation CAFE. Nous gagnons APM, nous gagnons TPTC, nous gagnons EPO, nous gagnons OFATMA. Qui est en vente? Non, c'est pas qui vous pouvez vendre. Nous disons que tout le monde est en vente. Nous disons que nous ne sommes pas d'accord pour nous gagner. Des nouveaux agentés qui sortent de l'autre côté pour qu'ils viennent occuper. Mais c'est qui fait le problème? Pour qui ça?
comment nous pas d'accord? C'est que. Ok, madame Napal. On a fait le nettoyage. On a fait le nettoyage? Ça, ça veut dire. Et je n'ai pas retiré tout ça par nous, on a fait ça pour nous. À force par nous seulement? Avec toute organisation, à tout le peuple qui est d'accord pour notre changement. Donc, est-ce qu'il y a fait pareil ça? Nous devons faire ça? Oui, nous ne pas parce que depuis nous réunis, nous devons faire ensemble, nous devons faire. Ok, mais c'est juste. Et n'a pas avec vous. Mais c'est qui raison même qui cause que nous parler le monde venir. Est-ce que c'est bon mon venir qui est toujours congéré ou bien c'est nous-mêmes nous voulons qui pour nous poste quoi? C'est une belle question. Notez bien, depuis bien des temps, nous avons des dirigeants mafiolons dans le département. Des dirigeants qui n'ont pas accepté militants pour prendre et pour promotion. C'est seulement qu'ils utilisent les militants pour les militants qui prennent la rue pour eux. Mais je dis, c'est nous militants qui prenons la rue volontairement. Parce que, quand les militants qui allaient à l'école, nous redis encore que ce sont des universitaires qui ont toute capacité, qui ont tout moyen et qui font expérience politique. Qui dévance même Negro, qui soi-disant dépassé comme leader dans le département noir, et bien je dis à des hommes et des femmes, qui ont progressé sur le système politique là, pour ne pas quitter des malfrats, des malintentionnés, penser que vous prenez nous comme des grands. Je dis, ça fait 2 mois. Jour pour jour, depuis environ 32 organisations qui mettent ensemble dans Chita Palé, dans Bois-Célibé, pour nous mettre campé, aucune chaîne structure politique ça dans le département Nord, qui c'est Rassemblement Force Populaire Nord avec CBIC et RPN, pour nous charrier ensemble revendications. Sa population nord a souffert de lui pour nous porter aller dans le plus haut niveau dans l'état dans le pays. Et bien, je viens là, nous chita pour nous parler ensemble avec la presse. Et c'est comme ça que nous autres, nous décidons pour nous lancer rapidement. Premier point, c'est Rassemblement Force Populaire Nord. Nous mettons campé un suivi correct pour solidariser yon avec l'autre, avec la population, pour aider nous sortir dans la difficulté que nous sommes là. Deux, problème Fatra dans la ville au Cap, c'est Tetchak. On ville au Cap, pile Fatra à droite à gauche. Dans chaque quartier, dans chaque entre-ville là, c'est lui-même qui dit bonjour, qui dit honneur. Quel que soit le monde qui a rentré dans la capitale historique avec touristique pays d'Haïti. Deux, problème fait noir dans la ville au Cap, c'est papa. 7 années environ depuis la ville là tombée dans le blackout total. Et nous connaissons très bien, depuis qu'il fait noir, c'est l'insécurité qui a monté, qui a grandi dans la ville là. 3. Problème infrastructure dans la ville au Cap même, ça n'a pas de nom, ça n'a pas de pareil. Toute rue dans la ville au Cap fin crasée. Tout trou plein avec la bouffadra à droite et à gauche. Sans compter le travail, dîner pas à faire dans la ville Cap haïtien et avec l'autre zone avoisinante. Et nous n'avons pas de bouche pour nous parler. 4. Problème dans la route nationale numéro 1, et si nous parlons de tronçons qui sont de Plaisance pour arriver à Cap-Haïtien, dans la route nationale numéro 3, tronçon Saint-Raphaël pour arriver dans Cap-Barrière-Battant, c'est comme si pas de l'État, c'est comme si pas de responsables dans le pays, et très particulièrement dans le département nord pays. Et ça la cause. Avec pour tracer ça, un pile accident à droite à gauche. Un pile malade qui a transporté pour sortir dans l'autre commune, pour venir vivre dans cette ville, dans le chef de département de Cap-Haïtien. Et bien, depuis la route,
yo fin mouri. Moun ki an mal de pou tout yo fin mouri nan route la. Et pour eso sa on a demandé une intervention rapide. Bon côté TPTC, bon côté gouvernement, connu avec CPTA, qui ont responsabilité pour aider à résoudre un ensemble de problèmes qui viennent au niveau pays, très particulier dans le département de pays. 5. Problème santé dans le département nord. Nous-mêmes qui sommes comme journalistes, nous avons une façon pour nous expliquer. D'ailleurs, le plus gros centre hospitalier qui vient dans le pays, c'est l'hôpital Justinien, il est presque dysfonctionnel. Pas d'intrant. Dans le niveau de l'hôpital là, pas de matériel pour médecins au travail. Quelquefois, nous avons dit pas même vraiment de service pour la population dans le département nord. Et ni l'autre monde tout qui a un problème qui vient dans le niveau du département là, c'est un accident ou un malaise. 6. Rassemblement force populaire nord, mandé pour des gros changements qui fait dans le niveau de boîte l'État dans le département nord pays. Et dans ce sens, nous décidons de mettre nous ensemble pour nous porter les revendications. 8. Pour plus de règlement compte, il faut que l'audit qui fait dans toute boîte l'État. Il faut que la Cour des comptes vienne pour auditer toute boîte l'État qui est dans le département de notre pays. Nous ne disons pas qu'il y a des gens qui volent, nous ne disons pas qu'il y a des gens qui volent. La seule chose, dans quatre côtés, nous avons besoin de l'État, nous avons besoin de restructurer un pays, nous avons besoin d'un changement réel qui fait dans le département nord. Pour être ça, nous demandons intervention de la Cour des comptes dans le département nord. 8. Intégration dans la boîte de l'État, un ensemble cadre qui gagne à niveau RFPL, Rassemblement Force Populaire Nord. Qui a vécu dans le département de notre pays et qui a pris l'amour pour le département et qui a pris compétence académique, a pris compétence politique, tout qui est capable de mener la boîte l'État pour mener à bon port parce que nous avons besoin de 109 dans le département de notre pays pour restructurer, repasser les mains, regarder les bagailles de l'autre gens. L'argent là-bas dit, il faut le servir qui local, il faut le servir le département de nos pays. Parce que là-bas, c'est une zone qui va être département nord en pile l'argent et qui va être pays en pile l'argent. Pour être ça, nous demandons au gouvernement Gariconien, docteur Gariconien, avec CPT1, pour prendre ça en considération parce que le Rassemblement Force Populaire Nord dit. Si ça n'a pas fait, après notre vitesse qui a passé dans le département, très particulièrement dans le chef de département dans la ville Cap-Haïtien. Problème de la misère et la sécurité a fini de ravager le département de notre pays. Il y a une sécurité qui va gagner. Ce n'est pas un secteur pour personne. Une sécurité qui blague dans la capitale du pays. Il y a une incidence sur toute l'autre zone dans le pays, très spécialement dans le département nord. D'ailleurs, ce n'est pas un secret pour nous, nous connaissons ce qui a passé dans la commune Pilate. C'est presque une commune qui est invivable. C'est une commune qui est presque impraticable. Pas d'aucun étranger qui a descendu dans la commune Pilate. Ça a passé du côté de Pomago et l'Épée, pour citer ça seulement. Dans ce sens, nous demandons pour le gouvernement. Gariconi avec CPT1, fournit j'ai gardé sur ensemble de problèmes ça yo, cap saccagé département Noa, pour permettre que nous allons mieux, c'est ça que fait en dedans, Rassemblement Force Populaire Nord, nous disposer et disponible avec ensemble cadre, ensemble compétences qui gagnent pour nous faire service nous dans le niveau département Noa, parce que ça nécessaire, l'important pour toute population.